côté. J'éclate cet aérosol. C'est bon, je suis prêt. C'est mon moment. Ouh, ça chatouille, ça chatouille. Aïe. Et voilà. Merci. Wouhou, je me sens comme neuf. Regardez, je suis entier. Je suis entier. On est sauvé de la rouille et de la boîte à outils. Merci, mais vous êtes notre héroïne. Merci, Marteau. Hé, et moi alors, hein? Moi aussi j'ai participé, et je suis pas un héros. Vous avez vu cette explosion? Bon, enfin bref, on n'a toujours pas retrouvé Rose. C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Sébastien, tu peux les aider? Faut qu'ils aillent de l'autre côté. Quoi? Oh. Wow. Bon, s'il vous plaît. Montez à bord. Ok, vous êtes sûr? Vous ne risquez rien. Ok. Je le sens pas, ça me dit rien. Détendez-vous. Ok. Ne vous inquiétez pas, il est très précis. Sébastien, balance. Oh non, elle s'en va. Rose, attends, on a besoin de toi. C'est nous, maman et papa. Serre pas la forme. Non, 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 non.
Vous nous avez enfermés, imbécile. Coincé ici, maintenant. Être coincé, c'est juste dans la tête. En ne regardant que la porte fermée, vous allez rater celle qui est ouverte. Ok, pour info, il n'y a qu'une seule porte dans cet abri. Et une fenêtre. Bien observé. Mais, wouhou, on va à la fenêtre. Wouhou. Ok, ce bouquin est complètement timbré. Mais regarde, c'est tes vieilles jumelles. Génial. Cherchons Rose. Oui, voilà, il faut qu'on la trouve. Ah oui, je sais qu'on ressemble à des poupées, mais en fait, on est ses parents. Ouais. Je sais qui vous êtes. Rien n'échappe à mes lentilles. Regardez. Là, là-dedans? D'accord, ok. Alors, voyons voir. J'ai l'air mort. Je suis mort. Vous n'êtes pas mort. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Qu'est-ce qui nous arrive? Tout ce que je sais, c'est que Rose est assise ici avec ses poupées. Et vous avez pris vie tous les deux. Quoi? Juste comme ça? Vous n'avez rien vu d'autre? Il y a bien eu quelque chose de bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait. Je sais, plutôt inhabituel pour Rose. Et j'en suis parfaitement sûre, car j'ai vu ses larmes tomber sur ses poupées. Des larmes qui tombent sur les poupées, c'est... Attendez. Je sais ce qui s'est passé. C'est un sort. Oh, c'est complètement ridicule, Cody. Il faut qu'on reste logique. Mais regarde, on est en train de discuter avec une paire de jumelles. Il n'y a aucune logique. Oh, bon sang, je ne crois pas une seconde au sort. Ok,
Et est-ce que tu croyais que tu pouvais te changer en pantin de bois, hein? Exactement. C'est forcément les larmes. C'était un sort, je t'assure. Alors, si c'est bien un sort, comment est-ce qu'on le brise? Ok, je sais. En fait, moi et Rose, on a lu un paquet de trucs sur les sorts. Je suis quasiment devenu un sorcier. Ouais, alors maintenant, laisse-moi respirer, j'ai besoin de réfléchir. Ok, bon. Si ces larmes ont servi à jeter le sort, alors pour le briser... Oh! Pour briser le sort, il nous suffit d'utiliser à nouveau ces larmes! Boum! Ok. Donc maintenant, on doit la trouver et la pousser à nous pleurer dessus. Vraiment? Ok. D'accord. Ok. Est-ce que vous savez où on peut la trouver, Madame Jumelle? Elle est dans sa chambre. Allez-y. Ok. Merci. Viens, mais... Mais comment on arrive dans sa chambre d'ici? Fastoche, on monte dans l'arbre. Par ici. Quoi? Mais tu pourras jamais sauter aussi loin. Regarde. Et merde. Laissez passer les amoureux. Allez, venez. Alors envoyez-nous la corde. C'est trop loin. Cody, quelle que soit la distance, l'amour triomphe toujours. Fermez-la et lancez-nous la corde. Ok, ok, mais relax. Allez, venez, vous voulez la corde, hein? Vous la voulez, hein? C'est ça, pas vrai? Vous voulez la corde? Venez, prenez-la. Allez, balancez pour traverser. Oui. Mais... Oh, c'est un bré gigantesque. T'inquiète pas, c'est bon. Avec ces cordes, on atteindra Rose en moins de deux. Encore? J'ai déjà dit à Rose de pas lancer ses chaussures. Oups. Je lui ai dit que je le faisais quand j'étais... Oups. Je lui ai dit que je le faisais quand j'étais petite. Tout s'explique alors. Elles sont trop petites, de toute façon. J'ai pas trop perdu. Balançoire. Ce truc de... t'as construit une cabane dans l'arbre pour Rose? Non. Pourquoi tu demandes? Il y a des fenêtres. Waouh. Qui a bien pu construire ça? Waouh. Qui a bien pu construire ça? Pas moyen d'atteindre la chambre de Rose pour l'instant. Allons plus haut. Je suis le héros agile à la corde. T'es surtout le héros d'argile à la corde. Ouais. Attention au héros d'argile. Wouh. Une arme est utile. De notre peau. Qu'est-ce que ça fait là? On dirait que c'est contrôlé par une poulie. Hey, attrape!
Regarde, Cody, une porte. Une porte? Dans un arbre? J'aime pas ça. Faut qu'on atteigne la chambre de Rose. Mais tu vois pas que c'est super loin? Évidemment que je vois que c'est super loin. C'est pour ça qu'on doit s'activer. Peut-être que quelqu'un là-dedans pourra nous aider. Sérieux? Oh, attends. Tu fais quoi? On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'était un raccourci vers la maison. Et si c'était pas le cas? Et si c'était... Qui vous envoie? Personne. On vient en paix. On essaie d'aller dans la maison. La maison? Pourquoi vous allez là-bas? On n'a pas le temps d'expliquer. C'est un raccourci ou pas? Oh, super. Oh, je savais que c'était pas une bonne idée. Ça passe. Allez, aide-moi à pousser. C'est trop lourd. Pourquoi ce bocal en verre? Pour moi, on voit à travers. Super, mais vraiment, on est emprisonné, mais la vue est top. Papa? Papa, j'ai quelque chose à te dire, c'est important. T'as entendu parler de ce livre du docteur Hakim? Il dit que c'est important de se pardonner mutuellement. Parce qu'après, on peut redevenir amis. Si tu veux, tu pourras l'emprunter. Ok. T'es occupée. Désolée. Cody, ça va? Ouais, j'ai connu mieux, mais ça va. Vous travaillez pour les guêpes? Quoi? Les guêpes? Faites pas les imbéciles. Elles vous ont envoyé pour nous tuer. Pour vous tuer? Non. On travaille pour aucune guêpe. On va voir pour qui vous roulez. Abaisse le levier. À vos ordres, chef. Chef, j'ai pas l'impression qu'il roule pour les guêpes. Et pourquoi il meurt pas? Ils ont peut-être des super pouvoirs. Et s'ils pouvaient nous aider? Ouais, on va bien voir. Arrêtez. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Oh, c'était horrible. Crois... Affreux. Mais, viens là. Salut. Salut, bon monsieur, le gros écureuil. Alors, vous voulez entrer dans la maison? Oui. On peut vous y emmener. Mais vraiment, c'est... C'est très... gentil. À une condition. C'est-à-dire? Allez, suivez-moi. Mais viens, viens. C'est pas une bonne idée. Viens, Cody. Je veux pas y aller. Waouh, c'est fou, il garde vraiment tout. Regarde, mais notre télécommande, ils l'ont volée. Rongeur. Regarde, neuf fois toute famille. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Je sais pas. On est bon là-dessus. Oh, hé, hey, c'est mon caleçon. C'est pas une grande perte. Tu l'adorais, ce caleçon? C'était avant. Les guêpes ont envahi notre arbre et décimé toute notre tribu. Vous devez les tuer. Quoi? On peut pas tuer ces enragés. Ça va pas la tête. Le prenez pas mal. Vous avez survécu à deux d'entre elles. Face à tout un essaim, on est sûr de mourir. Vous allez donc avoir besoin de ça. Le dernier cri en matière de cybertechnologie noisette. Le lance-résine Alpshaki 57. Oh. Ah. Oh. Avec également le fusil à allumette X200.
Boum. Encore une chose. Nous avions envoyé un agent infiltré pour faire fonctionner notre reine robotique. Comme prévu, les guêpes ont pris le robot pour leur reine. Mais au lieu de détruire les guêpes, notre agent a pris goût au pouvoir et a changé de camp. Donc, tuez les guêpes et l'agent dans le robot, puis nous vous aiderons à atteindre la maison. C'est compris. Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas une façon plus civilisée de... J'ai vraiment aucune envie de tuer des guêpes géantes. Ce serait pas nécessaire si t'avais détruit le nid. Quoi ? De quel nid tu me parles ? Tu te rappelles pas ? Dans le monde réel, dans l'arbre. Je te l'ai demandé des centaines de fois et t'as promis de le faire. Ok, d'accord. Mais on n'en serait pas là si toi t'avais pas frappé à la porte des écureuils. Eh ben, eux au moins, ils vont nous conduire à la maison. Ah, mais tu rigoles ? Tu les crois, toi ? Je fais pas confiance aux écureuils. Ils m'ont piqué mon caleçon. Oh, bah ça, crois-moi, c'était pas une grosse perte. Oh, vraiment ? Bah au moins, mon caleçon est la pièce maîtresse d'une machine volante sophistiquée. Mais oui, si tu veux savoir, je doute vraiment qu'elle puisse voler. Évidemment, tu doutes. Tu sais quoi ? Vivement que je récupère mon corps. Pour qu'on puisse divorcer. Oh, pareil. On fait quoi ? J'imagine qu'il est temps de tuer quelques guêpes. Quoi ? Tout seul ? Allez, t'inquiète pas, on est armés. Ah, avec ces machins bricolés par les écureuils, les apshakes qui truquent. T'as vu à quel point elles sont puissantes ? Ça va chauffer. Ce truc qui pend. Une cible. Et bien. Vous avez entre les mains le fruit de mes dernières recherches. Pas les écureuils. Ouais, c'est la guerre ici. May, on dirait un stand de tir. Essayons-le. Dans cet endroit. On peut repartir.
Sur une autre surface. Coller de résine là-dessus. Intéressant. Ils font des expériences sur un gland. Ils font des expériences sur un gland. Ils sont complètement cinglés. Les bobines qui servent. Ces écureuils sont bien plus évolués que je pensais. Je vois que vous avez découvert dans les vieux labos. Il n'y a vraiment rien à voir ici. Passez votre chemin. Quel barbare. On ne trouve jamais le potentiel de la technologie noisette.
derrière le prochain mur. Oh, mon petit Noël, sans arrêt. Oh, hé, fais-moi sortir d'ici. Ton rouge, on les rassure. Oups. Désolé.
mafieuse! Passe-moi une allumette! Allumette, May. Il y a un pont ici. On n'a qu'à le faire tomber. J'ai pas un bon angle de tir d'ici, Cody. Thank you.
Regarde, May, on fait un peu de tir à la corde. T'es prêt à tomber dans le trou? Il a été creusé pour toi, ce trou. Non, il est parfait pour toi. Qui c'est qui va tomber? Abandonne, May! Une fois, et t'es déjà un maître? Je vais gagner en un clin d'œil. Au revoir! C'est ça! Gagné!